Bonjour Madame Lagarde. Je poserai de nouveau des questions sur le lien entre la vos responsabilités et la lutte contre le dérèglement climatique, à la fois en tant que membre de cette commission et président de la commission environnement du Parlement européen. Vous avez fait référence aux analyses de Benoît Cœuret, donc de la Banque centrale européenne actuelle, qui montrent que la lutte contre le dérèglement climatique est d'ores et déjà dans le mandat actuel de la Banque centrale européenne à travers différents canaux. Le premier, c'est la question de la stabilité des prix, puisque un monde à 3, 4, 5 degrés aura forcément un impact sur la stabilité et les prix relatifs, et d'autre part sur la stabilité financière. Il a déjà été acté par un certain nombre de banques centrales à travers les propos de McCarney et le NGFS auquel la BCE adhère, le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser la stabilité financière à moyen terme sans intégrer la question climatique. Et donc, j'ai trois questions très précises. La première, vous engagez-vous à utiliser la taxonomie des actifs verts et demain, j'espère, non verts que le Parlement européen et le Conseil négocient en ce moment? Deuxièmement, vous avez fait référence sur le bilan de la Banque centrale européenne aux actifs verts, mais il a déjà été dit que grande partie des actifs dans le bilan de la Banque centrale européenne en collatéral étaient des actifs très carbonés qui sont incompatibles avec la neutralité carbone. Donc, que comptez-vous faire de ces actifs et pouvez-vous nous dire aujourd'hui, à titre personnel bien évidemment, que progressivement la BCE va se désengager de ces actifs très carbonés? Et troisième élément, que comptez-vous faire pour intégrer dans l'analyse macroéconomique de la BCE la question climatique plus qu'elle ne l'est aujourd'hui? D'abord, j'espère très très vivement que la taxonomie dont vous débattez actuellement trouvera un aboutissement proche, parce que je pense que c'est vraiment un des points fondamentaux qui aujourd'hui freine un certain nombre d'opérateurs, pas seulement la BCE, mais pour avoir participé à de nombreux forums et groupes divers et variés, y compris du secteur privé, larges investisseurs, le fait d'être dans l'incertitude sur la taxonomie, sur les classements et les rangs de ces produits est vraiment un frein. Donc, plus vous avancerez vite, mieux ça sera. Et évidemment, je suis, comme certains d'entre vous, quand vous rejoignez le Parlement européen pour la première fois, débutante en la matière, sur la manière dont la BCE apprécie la taxonomie à laquelle vous aboutirez. Mais je ne vois pas une raison pour laquelle la taxonomie déterminée par le Parlement européen ne deviendrait pas la règle que doit respecter la Banque centrale européenne. Ça me paraît une évidence. Alors, probablement, les opérateurs actuels me diront « Attention, la neutralité, market neutrality ». Certes, mais en présence d'une taxonomie qui aurait été déterminée et validée par le Parlement européen, je pense que ça se superpose au principe de neutralité. Sur la taille des actifs carbonés au sein du bilan de la BCE, il est évident que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Mais qu'on aille vers une transition graduelle pour éliminer ce type d'actifs, ça me paraît aussi un impératif si on est convaincu de l'impératif, si on est convaincu de la nécessité absolue de joindre nos forces, où que l'on soit et quelque institution que l'on dirige, pour lutter contre le changement climatique. Et j'ajoute la troisième dimension qui me paraît importante aussi, c'est que dans l'analyse des risques que font les banques centrales, elles doivent intégrer dans leur mission de supervision, notamment, la dimension climatique, la dimension de la protection de l'environnement. Et je pense que c'est un levier qui ne doit pas être négligé en termes de règles de provisionnement, en termes de risk weighting à l'égard des banques dans l'estimation qu'on peut faire, notamment de leur ratio de capitaux.